Bonjour, bienvenue au flash d'information. L'Assemblée nationale, réunie hier en plénière, a donné son quitus pour la prorogation de l'état d'urgence. Les députés ont voté à l'unanimité la loi qui prolonge l'état d'urgence pour 6 mois. L'état d'urgence avait été instauré le 1er janvier dernier dans 14 provinces de 5 régions du Burkina pour faire face à la recrudescence des attaques terroristes. Un groupe d'action de lobbying et de plaidoyer présidé par l'épouse du chef de l'État séjourne actuellement à Bobo-Dioulasso. Ce groupe engagé dans la lutte contre les mutilations génitales féminines MGF et le mariage d'enfants va mener plusieurs activités. Sika Kabore a ainsi rencontré les artistes du Wé pour les inviter à s'impliquer davantage dans la lutte contre les MGF, surtout toutes les formes d'excision. Une nouvelle banque a ouvert ses portes hier à Tenkodogo. La banque de l'Union Burkina Faso BDU-BF vient accroître le nombre d'institutions financières dans la région du Centre-Est. La banque, déjà présente dans plusieurs régions du Burkina à travers 10 agences, propose une gamme variée de produits qui pourraient intéresser les opérateurs économiques, les acteurs du secteur informel ainsi que les salariés. La Commission électorale congolaise a publié tard dans la nuit les résultats des élections législatives du 30 décembre. La coalition au pouvoir à Kinshasa, celle de Joseph Kabila, semble avoir remporté la majorité des sièges devant la coalition Lamuka de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle. Martin Fayulu, qui dénonce un push électoral, a décidé de saisir aujourd'hui la Cour constitutionnelle congolaise. Rendez-vous à 13h pour d'autres informations sur la RTB.